Dans cette capsule vidéo, je te présente l'onglet Notes. Donc, je suis dans ma classe et je vais aller sélectionner l'onglet Notes du canal général. Donc, dans cette section, ce qu'on retrouve, c'est le nom de tous mes élèves de mon groupe, ainsi que tous les devoirs qui ont été envoyés par l'enseignant. Donc, on peut voir le titre du devoir, à quelle date le devoir doit être remis et combien de points s'il y a des points accordés à ce devoir. Donc, dans ce cas-ci, le devoir est à remettre le 8 septembre et il vaut 10 points. Alors que le devoir des nombres naturels est à remettre demain et il n'y a pas de points pour ce devoir. Si je veux, je peux revoir les devoirs qui ont été corrigés. Donc, par exemple, ici, Julie a remis son travail. Je ne l'ai pas encore évalué. Dans ce cas-ci, le devoir n'a pas de points. Donc, je peux voir que j'ai renvoyé le devoir à mon élève. Alors que dans ce cas-ci, le devoir du 7 septembre, je suis capable de voir qu'il y a 8 points. Si je veux, je peux consulter à nouveau ce devoir. Donc, pour faire ça, je vais aller sur les trois petits points à côté de la note et je vais faire ouvrir le travail de l'étudiant. Donc, le travail de l'élève m'est affiché. Je peux revoir la rétroaction qui a été envoyée ainsi que le nombre de points. Donc, si je fais fermer, je reviens à mon onglet de notes. Donc, je peux faire le même principe pour chacun des devoirs qui ont été envoyés pour tous mes élèves.